La mort d'Hadès n'a fait qu'apporter de nouvelles questions. Mais l'essentiel est qu'il était mort. C'était le début d'un nouveau chapitre. Pour nous tous. Enfin, l'heure a sonné pour Joseph Tchekedze, connu sous le nom d'Hadès, leader du KVA et instigateur des attaques dévastatrices qui ont secoué le monde il y a 4 ans. Nous avons récemment parlé à Jonathan Irons, fondateur et PDG d'Atlas International, la société militaire privée qui a réussi à localiser et tuer Hadès. Félicitations, vous avez réussi ce qu'aucun gouvernement n'a su faire. Merci Wendy, mais les vrais héros sont les hommes et les femmes d'Atlas. Je suis très fier de ce qu'ils ont pu accomplir cette semaine. 40 ans, la tête basse, nous avons laissé cette ville en ruine en quittant l'Irak. Et aujourd'hui, c'est la preuve de ce qu'on peut faire quand efficacité prime sur bureaucratie. Ces 4 dernières années vous ont plutôt réussi. À la suite des attaques du KVA, Atlas est devenue la plus grande société au monde. Et de plus, vous dirigez dorénavant la plus grande armée active au monde. Où s'arrêtera Jonathan Irons ? Ça fait quoi d'être le nouveau sauveur du monde ? Prends pas la grosse... Gideon, Mitchell, il faut que je vous voie tout de suite. Ilona ? Qu'est-ce qu'il y a ? Retrouvez-moi dans le local technique 6A. Venez seul. D'accord, on arrive. Je me demande ce qu'elle peut bien vouloir. Bonjour. Difficile de croire qu'on est à Bagdad. Il y a 2 ans, on pouvait pas sortir dans la rue sans se prendre une balle. Aujourd'hui, la ville est pleine de vie. Et c'est grâce à nous. L'équipe Echo a démantelé une autre cellule du KVA hier. Le réseau entier commence à se déliter. Hadès en était la clé. À ce rythme, le monde sera vite à court de méchants. C'est la retraite anticipée qui nous attend. Bonjour. On y est. Vous en avez parlé à personne d'autre ? Non, pourquoi ? Le brouilleur ne nous donnera que quelques minutes. Branchez-vous sur moi, je dois vous montrer un truc. C'est quoi ce bordel ? Regardez-moi ça. C'est Irons, avec le technologue que vous avez sauvé. Le type qu'on a sorti de l'eau ? Il n'est jamais rentré au Nigeria. Le KVA prépare une attaque ! Ils m'ont tout raconté ! Mais quel genre d'attaque ? Sur des centrales, dans le monde entier. Ils voulaient que j'infiltre les systèmes de sécurité. Quelle cible ils comptent atteindre ? Seattle, Paris, Tokyo ! Des milliers de morts ! Il faut prévenir quelqu'un ! Non. Il faut qu'on prévienne tout le monde. C'est bon, ne vous en faites pas. Je m'occupe de tout ça immédiatement. Putain ! Il savait. Il savait et il n'a rien fait. Plusieurs milliers de morts et ce salaud en a tiré profit. Où t'as trouvé ça ? Hadès. Il a réussi à nous donner ça juste avant de mourir. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est vrai ? C'était codé et chiffré avec notre propre algorithme. Ça vient d'Atlas. On est les seuls à l'avoir vu. Faut qu'on dégage d'ici. Vite ! On l'a vu. On est au courant. Vous avez vu quoi ? Vous saviez pour les attaques. Tous ces gens innocents morts... Vous avez vu une vidéo truquée d'un terroriste ? Vous êtes complètement fou, espèce de monstre ! Vous m'avez vraiment déçu. Tout ce potentiel perdu. Qu'il reste ici jusqu'au départ des journalistes. Gideon. Oui, monsieur.
Gideon, tu l'as vu aussi. Il dit qu'elle est truquée. Il a choisi son camp. Restez où vous êtes! Écoutez, on a piraté vos exos. Vous devez me faire confiance. Dans 10 secondes, le système d'extinction des incendies sera activé. Préparez-vous à filer. Continuez d'avancer. Prophète, les portes coupe-feu du sous-sol sont fermées. On peut pas intercepter les fugitifs. Ouvrez ces portes tout de suite. Une impasse. Attendez. Montez pour accéder au toit. Pour envoyer des drones. Une fois sur le toit, vous n'aurez que quelques secondes pour agir. On sera pris au piège là-haut. Faites-moi confiance. Il faut qu'on fiche le camp tout de suite. Par ici. Je prends le contrôle des portes. Traversez le toit et passez par-dessus la rambarde au niveau de l'ouverture. On est au quatrième étage. Maintenant. L'accès aux égouts est juste en face de vous. Allez-y. Vous allez devoir traverser la vieille ville. Dirigez-vous vers les quais. Ils vont boucler l'ensemble de la ville pour nous retrouver. C'est pour ça que vous devez faire vite. À tous les citoyens, rentrez chez vous immédiatement. Je répète, rentrez chez vous. Poussez-vous. À genoux. Tout de suite. Ils rassemblent les civils. On n'a pas beaucoup de temps. Par ici. Descendez dans la rue. Atlas vous a repéré. Ils arrivent. On subit de lourdes pertes. Cible abattue. Ennemi repéré au sud-ouest. Suspect en place. Les voilà. Venez vite. Tirailleurs. Les voilà. Thank you.
nous attend au bout du quai. On vous attend au bout du quai. En direction du centre commercial. On a des drones à nos trousses. Plonge sous ces bateaux. Plus vite. Continue.
sommet. Ne vous arrêtez surtout pas. Ça va? Vous pouvez bouger? Ouais, mais le bateau est foutu. On est à pied. Le point d'extraction est juste au-dessus, en haut du bâtiment. Comment on est censé l'atteindre? Utilisez le grappin. Mitchell, on peut utiliser le grappin pour monter ici. Il y a un autre point d'ancrage au-dessus de nous. Continue de monter. Sur la corniche. La passerelle. Descendez et traversez la passerelle. Traversez la passerelle. Sautez sur la grue et traversez-la. Tu te souviens de ton ancien sergent, j'espère? Allez, on fiche le camp. Hélico! Qu'est-ce qu'on fait, chef? Laisse-les! Si tu te trompes sur Irons, je te traquerai moi-même. Je me trompe pas! Assassin, qu'est-ce qui se passe? RAS, rien sur le toit. Ok, entrez! Vite!